la Dolce Vita. C'est la Dolce Vita. Wir finden uns neu. Fühl dich frei. Fühl dich frei. Denn ich komme als Freund. Hallo, je m'appelle Aude, j'ai 24 ans. Mon partenaire cycliste s'appelle Geoffrey, c'est un pote du lycée. Et cette année, on a prévu de mettre un coup de pédale dans la choucroute. L'Allemagne est l'un des pays les plus cycloactifs du monde et pourtant complètement impopulaire chez les cyclistes français. Warum das Deutschland, Frau Müller? Arzo, on a choisi l'Allemagne pour 4 raisons. 1. Mon compagnon de voyage Geoffrey a plus l'habitude de tenir une cigarette qu'un guidon. Il fallait qu'on trouve une destination plate et pas trop chaude. 2. L'Allemagne possède un très grand réseau cycloroutier. Nous avons choisi le Doubs Elbe-Radweg, c'est-à-dire route cycliste de l'Elbe, qui aurait été élu pour la 13e fois consécutive itinéraire préféré des Allemands. Tout semble parfaitement conçu. Une grande brochure gratuite est disponible, ainsi qu'une application avec des données GPS. Dessus, on peut visionner ou trouver un hébergement ou un local pour réparer son vélo. Bref, un cyclotourisme de luxe qui semble destiné aux familles et parfait pour les fumeurs. Troisièmement, on peut rencontrer le peuple germanique grâce au Couchsurfing. Et je sais qu'ils sont très nombreux outre-Rhin. Et dernière raison, wir sprechen ein bisschen Deutsch. Et ça allait être l'occasion de rentabiliser nos cours d'allemand LV2 Zusammen zu Frieden au lycée de Launay. Notre première étape, et pas la moindre, s'appelle Paris. On doit relier Montparnasse-Bercy pour prendre le bus direction Hambourg. Première expérience cycliste. On a fait 8 km dans Paris. Je transpire du cul comme un chacal mort. Je pense que ce séjour va être riche en eau et en fluide. Comment s'est passé ce petit périple à Paris? J'ai trouvé ça formidable, j'ai adoré la capitale parisienne, un peu moins le bus, trop de monde, des chauffeurs qui parlaient pas français, ni anglais, ni allemand, qui parlaient pas beaucoup. Très énervé. Et j'ai mal aux fesses. Hambourg, deuxième plus grande ville d'Allemagne, fut quasiment totalement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant reconstruite, c'est une ville pleine de charme. Hambourg est immense, 105 quartiers, une architecture industrielle avec des canaux, des ponts, des briques rouges, notamment dans le quartier des entrepôts. Bouh. Bubis blood. Bubis blood. Bubis blood. Bubis blood. Wir sind blöd. Ja, doch. Ja, doch. Das ist eine Brokkoli-Bö mit Sabine und Alex, liebe Freund. C'est un peu genre l'ambiance sombre et mystérieuse de l'Angleterre. Qui pleut, tu dis que ça fait anglais, toi. Non, mais... je sais pas, c'est les briques rouges. Sankt-Pauli est considéré comme le quartier rouge et chaud de Hambourg. Maintenant, il est devenu le quartier branché. Pas trop loin, ce soir avec Geoffrey, on swing sur nos chaises dans le club de jazz le plus vieux d'Allemagne. I want your arms around me, to shelter me from the rain. Now I'm back when you found me. Notre coach surfeur ce soir s'appelle Eric, il est chinois et c'est aussi un passionné de cyclotourisme. Direction le Kunsthal, le musée d'art avec les fameuses œuvres de Caspar David Friedrich. Désolé pour l'accent. Ensuite, on essaie de court-circuiter nos neurones pour comprendre la partie art contemporain. Ta réaction, Geoffrey ? Et je suis sûre que si je fonce avec mon vélo dans un tabouret et je le laisse comme ça, j'aurai autant de succès. Prends une femme par les yeux et non par le conseil. Les femmes sont comme les gongs. Elles doivent être frappées avec régularité.
Le lendemain matin, on dit au revoir à notre hôte. Goodbye, Titan. À Hambourg, on est déjà plongé dans le monde de la bicyclette. Il y a des pistes cyclables et des bikers urbains partout. On prend le train pour sortir de la banlieue hambourgeoise. Quelle nonchalance. Quelle nonchalance. Comment ? J'ai un problème de clope. Du coup, Aude m'a conseillé la cycling thérapie. Et j'espère que ça a fonctionné. De toutes mes forces. Geoffrey, avec la cycling thérapie, va pouvoir demander la rédemption de ses péchés. J'espère. Les premiers coups de pédale. Wunderbar. C'est vraiment trop chou, hein. Tu es pas bien ici? Je suis hyper bien. Je trouve que c'est vraiment the place to be. Wunderbar. Dans la partie nord, l'Elbe marquait la frontière entre la DDR et la BRD. Dans cette zone peu peuplée, la nature a pu s'émanciper. Et aujourd'hui encore, les Allemands préservent cette biodiversité et elle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Pour protéger le site naturel, très peu de ponts ont été construits. On rejoint une rive à l'autre grâce à des petits ferrés. Sehr natürlich. J'ai traversé la DD, ça a été dur, mais j'ai réussi à... Mais normalement, on fait dans l'autre sens plutôt. On fait plutôt de DDR à... Bah oui, là, on est retourné 50 ans en arrière. C'est pour ça que c'était facile. Si je comprenais pas. Ouais. Bon bah... T'as traversé le rideau de fer d'ailleurs, c'est plutôt ça. Winston Churchill, 1945. C'est bien, tu es prof d'histoire. Tu es prêt pour l'agré. Et l'enseignement moral ici. Et je suis aussi passé la SSR niveau 2. Et je suis un spécialiste de blanquette d'eau. Ça vous intéresse. Temps de cuisson? 35 minutes. Non, je pense que c'est un peu trop. Je pense qu'elle est un peu dure comme une semelle, là, ta blanquette de veau. Je sais pas. Je suis sûr parce qu'il faut faire que les champignons là-dedans. Bref. Alors, qu'est-ce que tu penses de Blackhead? C'est très sympa. C'est très rote dans le coin. C'est très rote, rouge. Faudrait que tu refais cours d'allemand quand même. J'aime bien parce que c'est le début. Je me demande si au bout de la 15e ville, rouge comme ça, je vais pas être un peu lassé. Ouais, c'est le problème des villes rouges. On est baigné dans une mer de verdure où vivent paisiblement de nombreux oiseaux, très loin de l'Allemagne qu'on pourrait s'imaginer. Et même un petit parking pour les vélos. Nous prenons l'ascension de la tour Eiffel des Allemands et surtout en cas d'apocalypse pour voir les oiseaux qui passent, les tuer et les manger. Sur la brochure de l'Elberadweg, il est indiqué quelque chose en allemand. Notre allemand LV2 est un peu rouillé, alors on demande conseil à un local. Il nous traduit que cette portion est vallonnée, mais il nous rassure et nous dit que c'est pas les Alpes. On dirait pas, mais je fais du 75 km/h là. Je le ralentis. T'es au bout de ta vie, mon pauvre. Bref, l'Elberadweg a une réputation pour les familles, elle est plate. La bicyclette, là. Elle est là. Bon, bref, c'est la montagne du nord germanique. Rien de méchant, Geoffrey ne m'en veut pas. Pas encore. Allô. Le soir, on arrive à Itzacker, c'est un jeune couple, Tabea, Chris et leur enfant Mathès, qui nous héberge. Un vrai dimanche soir en famille, on joue et rigole beaucoup autour d'un jeu de société. Tschüss. Danke schön für alles. Kein Problem, sehr gerne. Sehr gerne. Viel Spaß in Wittenberge. Aujourd'hui, on met le cap pour Wittenberg, avec un grand E à la fin. Bonjour Geoffrey, comment ça va? Ça va. Tu n'as pas quelque chose à nous dire sur la fameuse ville de Wittenberg que nous allons visiter aujourd'hui? En fait, la veille, Tabea nous demande, mais pourquoi vous allez à Wittenberg?
Bah, c'est la ville de Martin Luther, il y a une grande université. Ah non, 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 ça c'est Wittenberg. À Wittenberg, il n'y a rien, nichts. Il n'y a pas de coach surfeur, dommage car nous avions trouvé un hôte chez son homonyme. Alors, il y a une superbe université. Notre coach surfeur qui nous reçoit, il travaille pour l'université, il va nous faire une petite visite. C'est Wittenberg avec ou sans eau déjà, je sais plus. je sais c'est plus. C'est bien ça le problème, c'est que je me suis trompée de Wittenberg. Chris nous propose une alternative. Le grand pont de Wittenberg pourrait potentiellement nous protéger de la pluie annoncée pour la Narté. Et du coup, quelle solution alternative as-tu imaginé? J'ai pensé à un bruc. Es gibt à une grosse bruc. Je pense qu'on peut dormir là-bas. Ah, je ferai. Une superbe expérience. Merci Aude, je suis ravie de voyager avec toi. Je teste alors la spontanéité des Allemands. J'envoie mes demandes pour d'autres villes aux alentours. Quel modèle ! C'est une scène très romantique de toi-même avec des fleurs. Mein Lieber, das ist die romantische Rote. Rote, on dit ? Rote, c'est rouge. C'est très ? Rote, rouge. Faudrait que tu rajoutes cours d'allemand quand même. Ah, on recommence. Vas-y. Mein Lieber, das ist die romantische Weg. Tu peux te le mettre dans le nez. Mein Lieber. On veut de toi, on veut de toi. Allez! Il est 15h, on a fait 50 km et on n'a pas encore mangé. Je pense que Geoffrey jouit complètement de la cyclothérapie. Là, il doit être en pleine cyclo-méditation, cyclo-pleine conscience de ses douleurs, de ses failles. Je suis sûre qu'il m'en veut, le pauvre. Ah, le pâté de saucisse, parfait pour ce midi. À cette belle journée. Tu es heureux? Je pense que je vais bientôt vomir. C'est la rédemption. C'est la cyclothérapie pour éviter de fumer. Tu es à... Ouais, mais toi, la cyclothérapie, là, elle a été trop longue d'un coup. Ouais. Et du coup, ça a eu l'effet inverse. Mais combien de clopes as-tu fumé aujourd'hui? C'est ma deuxième. C'est ta deuxième seulement, alors qu'il est 15h, je crois. 15h30. Alors que normalement, tu as combien de clopes? Ouf, 4 paquets. La cyclothérapie fait ses effets. Je devrais faire breveter tout ça. Allô ? Allô ? Est-ce que t'es heureuse ? Je suis heureuse. Vol, petit oiseau, vol ! Tu es heureux ? C'est le déluge, un véritable Hundewetter. Nous sommes chanceux, un coach surfeur a accepté ma fraîche demande du matin. Il est à Stendal, c'est un peu loin, donc on triche en train. La cyclothérapie n'est pas si sadique. Je vais mourir avec elle. Ça va pas être possible. Carlo nous reçoit avec le grand smile. Il nous embarque pour la soirée chez des amis, puis dans un bar cool. On apprend que le nord germanique se salue en disant le zer romantisch moin moin. On ne comprenait pas les cyclistes d'aujourd'hui. Oui, oui. Alors on répondait bêtement oui. Morgan comme un Guten Morgen marmonné dans une barbe. Allez, Guten Nacht. Auf Wiedersehen. Goodbye. Auf Wiedersehen. Fais-moi un petit. Arrête de filmer. Est-ce que tu aimes la pluie? J'adore la pluie. Oui, c'est la rédemption. Chapitre 2 de la cyclothérapie. Rouler sous la pluie. Le lendemain, on met un gros coup de pédale dans la choucroute, direction Magdebourg. À la fin de la journée, on compte 90 km au compteur. Mais non, c'est...
Ah mais non. Je n'ai jamais eu un accoutrement aussi respectueux du Seigneur. Das ist der deutsche Style. Ich mag gern Kartoffelsalat. Et la version allemande de l'éclair au chocolat. Très généreux en chocolat. Grosse chocolat. Grosse. Wo ist die Hund? Der Hund ist in der Küche. Stop talking and appreciate the landscape with the church. Auf Deutsch? Und das ist der Magnifique l'Australie. Franchement, je suis ravi d'avoir fait le détour. On a le Uluru, on a le Bush, on a toute l'Australie. C'est Svetoslava, une Bulgare étudiante Erasmus, qui nous accueille. On passe la soirée dans un pub en enchaînant les breuvages d'orge fermentés. Tchuss. Le lendemain, on part à l'assaut de la ville. Nous sommes noyés dans une mer d'immeubles qui rivalisent de laideur, jusqu'à tomber sur un véritable oasis. La grune citadelle qui semblerait tout droit sortir de l'imagination de Gaudi. Puis, plus classique, la cathédrale gothique, un des monuments majeurs de l'Allemagne. Sehr schön. La cyclothérapie fonctionne de moins en moins. Hier, t'as pas arrêté de fumer, mon cochon. Il faut qu'on arrête le contact social parce que c'est à chaque fois qu'on rencontre des coachs surfeurs que... C'est vrai, c'est ça? La alone therapy. La solitude therapy. Tu devrais faire du vélo tout seul, ouais. Voilà. Bon, et dormir écoute. Dans une tente tout seul. Tinnitus und Malaise, der Bizeps wächst vom Steuerrad rumgereiße, so selten fitte Plan. Yeah! On met le cap pour Bessoroslo. Tu aimes cette route? C'est quelque chose qu'on ne voit pas en France. Il faut venir découvrir ça. Das wäre sehr schön. Auch wenn alles seine Zeit hat, mal elf Freunde, dann doch one. Le bateau avance. Grâce au câble, il n'y a pas de moteur. Comme un pendule. Zéro écologique. On aurait pu le faire à la nage quand même. C'est clair. Se mettre, un peu au triathlon. Ça nous aurait pas fait de mal. Mais elle est où l'Elbe? Elle est où? C'est super, merci Aude pour ces vacances au Bois d'Arcy. C'est interminable. C'est interminable. Interminarisch. C'est Bambi, ta maman elle est morte. Oh bah mais va pas pleurer. Viens avec nous, on est ta nouvelle famille. Ah bon, bienvenue chez les Amish. Voilà voilà. C'est ça la DDR hein. On est un peu en avance sur notre itinéraire, et ouais. Alors on reste de nuit, et on ne le regrette pas, notre hôte, Elisabeth, étudiante en art, ne travaille pas le lendemain. Elle est restée à Dessau spécialement pour nous recevoir. Elle est une belle incarnation du Couchsurfing, une excellente hôte, elle veut partager ses expériences, sa ville, et nous offre même un guide tour. On visite la Bauhaus, traduction, la maison en construction. Bauhaus. Bauhaus. Really not the same at all. C'est une prouesse architecturale des années 20. Le style est audacieux. Des lignes, des angles droits, des façades en verre et pas d'ornement. Et tu es heureux? Très heureux. Cela nous semble banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'est carrément novateur.
Bref, sans explication de notre hôte, on n'aurait sans doute pas eu le même intérêt pour ce bâtiment. Le midi, on découvre enfin le Döner allemand. Et sans conteste, c'est le meilleur kebab de notre vie. Produit frais et ambiance jazz. J'ai jamais vu un Döner aussi bien. Même les toilettes sont formidables, j'ai envie de dormir dedans, tout le monde sont bien. Notre hôte rit même de notre enthousiasme. That's not so much economic crisis in France. Le soir, on fait voyager les papilles en France de la coloc, ses muffins de foie lyonnais et galettes de sarrasin bretonne. Oh, sehr schön. So romantisch. Are you so French? Yes, I'm French. Son colocataire est tout fier de réaliser sa première galette. He's roaring, yeah. Maybe we should stop couchsurfing. Any social connection, yeah. Any social links, because it's bad for his health. Yeah. No contact with others, yeah. With German. German has divide. So, thank you for Hannes. Yeah, gerne. Sehr schön. Sehr schön, prima. Sehr gerne. Es war sehr schön, euch zu haben. Und ich hoffe, ihr habt noch eine gute Fahrt. Ah, ich habe Dankeschön. Ich habe zu. The next time you come, your German will be perfect. Yes, we will. It will be in 2000 and... Was für ein sonniger Tag. On dit au revoir à notre hôte, on a l'impression de quitter une colonie de vacances. Das ist zu DDR. Zer DDR. Pousse-toi, parce qu'on voit pas bien aller. Voilà, là, attends, là, j'essaie de le faire. DDR. Eh ouais, j'aurais pu avoir mon... Voilà, jusque là, 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 voilà. J'aurais pu... DDR. DDR. Mmh. Du hast dich an Kolon hingebracht. Bis mitten in der Nacht wegen mir aufgewacht. Ich habe in letzter Zeit so oft daran gedacht. Direction Wittenberg, le bon Wittenberg cette fois. C'est Anne qui nous reçoit, elle travaille en service civique pour la ville. L'enjeu, son travail, c'est la culture, les expositions. Alors elle connaît très bien la ville et nous offre aussi un guide tour en vélo. Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst. À Wittenberg, Martin Luther a créé le luthéranisme, une réforme protestante. Le soir, c'est apéro dînatoire 100% Dutch, toast de pumpernickel, saucisses et cornichons. Nous sommes les prophètes de la galette de sarrasin. Et notre mission est de répandre sa recette dans tout le peuple germanique. Kartoffel plus folle au Nutella. Une galette de pommes de terre au Nutella. C'est pas mauvais. What is juicy? Like, bye bye. Bye bye? A cute bye bye. Au revoir. So, juicy. C'est les grands airs, le vélo en pleine nature. Moi qui rêvais d'aller au Bervilliers, franchement, je suis gâté. Bitte. On met le cap pour la campagne de Torgo. C'est Dorothée, Karl et leur ami qui nous reçoivent dans leur grande bâtisse. On est d'ailleurs logé dans un ancien moulin en rénovation. L'ambiance est très à la cool avec un petit feu de camp le soir. Guten Nacht. Komm, wenn man es kriegt, lassen die Kamera rein. Tschüss. Armée du main, les cours de ça. Êtes-vous prête pour partir en guerre? Pour tuer nos ennemis? Vous serez toutes récompensées pour votre dévouement. Elle t'écoute, hein? Sous Amen! Sous Frieden! Ferguson!
Le changement, c'est maintenant. En marche. Parce que c'est notre projet. Que vous êtes chaude? Ah, pas trop. Est-ce que vous êtes chaude, je dis? Ouais. Au platine. DJ Glou Glou. Et c'est mon meilleur public, hein. Je pense que je vais faire une scène ouverte ici. Je pense que tes élèves t'ont jamais autant écouté que ici. C'est clair. On a fait un kilomètre et ça y est, on s'amuse avec du bien ton. Voilà, on y va. Torgo est notre destination déjeuner. C'est la Dolce Vita. C'est la Suzanne Lebon. C'est de la pomme de terre à côté. Je sais pas, on dirait une prothèse PIP. Regarde, là, ça bouge là. Tu es heureux? C'est la montagne. Je suis très aujourd'hui, heureux. Aujourd'hui, il fait chaud et on rencontre le vent de face. On peut plus, hein. Faut qu'on boive. On est épuisé, on n'a plus d'eau, plus de victuailles. Alors quand on s'arrête chez le marchand de glace, le cycliste est quelqu'un qui voit les choses en grand. Et il va pas se contenter d'une boule de glace quand même. Ah, j'arrive pas à l'enlever. Tu es heureux? Non. Il fait trop chaud, il y a trop de vent. Il y a pas de mauvaise place pour manger. Et pas le temps de trouver un super spot. C'est où Geoffrey actuellement? Un cimetière. Ils sont plutôt sympas les cimetières allemands, à vrai dire. Ça fait un sort de... Ce soir, on est super chanceux. Hello, my name is Geoffrey and I'm doing flat surfing. Flat surfing. À 18 ans, nous héberge avec sa famille dans un appartement entier qu'il loue dans leur immeuble. Le soir, il nous prépare un véritable repas du dimanche soir, Doc. Et on ne peut pas s'empêcher de refaire des galettes. On est leur premier coacher first, ça doit être la chance des débutants. Avant de dire au revoir, on laisse un peu de notre art. Oh my god, it's so sweet! So you are just at the bottom. With a bretzel and beer. You are a little muscular. Yes, like as you prefer, you can sing if you want. You can dance. Okay. Au revoir. Yes, can you speak in French as well? On peut. It will be in the internet. Huh? Oh no! Franzosisch Lehrerin will be angry. Yes, of course. Okay. Tschüss. Aujourd'hui, c'est notre dernière étape et sans doute la plus jolie. Nous mettons le cap pour Dresde. Ah, Schade, dommage. L'Elberadweg serait la plus belle sur sa dernière partie, à la frontière tchèque. Je le savais, mais je pensais aussi au volet de Geoffrey et je voulais pas qu'on aille si loin. Trop underground les tags ici. Tag en Allemagne. Ouais. Sur notre chemin, Meissen, ville fortifiée sur un rocher, sera notre pause déjeuner et notre pause fraîcheur. Car ici, il faut le dire, c'est un vrai four. Je pense qu'il faut que je vienne vivre en Allemagne. Est-ce que les gens ils transpirent autant que moi? C'est ridicule. On prend l'apéro en plein centre-ville et on enchaîne les spritz, la Dolce Vita. C'est la Dolce Vita. Dolce Vita. Dolce Vita. Y'a de la vinasse, y'a de la vinasse. Y'a de la vinasse, y'a de la vinasse. Y'a de quoi? De la vinasse. T'es sûr que c'est une caméra sportive? Ouais, elle sert plus trop à... Zer jeune, zer jeune, zer jeune, zer... Ah non, pas jeune.
on met le cap pour notre destination finale, Dresden. C'est comme le logo de la RATP. Non. Si tu regardes bien, ça fait comme un visage, mais en fait c'est un fleuve. Bon là ça fait juste un fleuve, ça fait pas un visage. C'est un peu nul ce que tu racontes alors. C'est vrai, je pense que tu commences à avoir des hémorroïdes. Par contre, tu me sur ton torse. Pourquoi, j'ai quoi? T'as une collection de... De moustiques. De moustiques. On dirait une tapisserie. Je les attire. Je les attire comme du bon miel. Ouais. C'est un peu comme une bouteille de vinaigre, Aude. Oui, c'est ça. Faites attention à ne pas vous dissoudre dans Aude. Geoffrey peut être fier de ses cuisseaux. Le compteur l'affiche, on aura fait 610 km depuis le début du périple. Notre hôte ce soir s'appelle Anton, il est étudiant ingénieur et on l'a connu par le site Warm Shower. C'est quasiment le même principe que Couchsurfing, mais pour les cyclotouristes. C'est une sorte d'entraide intercycliste. Il nous propose son jardin où on plante notre tente. Elle n'aura donc pas traversé l'Allemagne pour rien. T'aimes bien être dans des tentes quand même ? J'adore être dans les tentes. Ça me donne un sentiment de sécurité comme dans un cocon. Quand il pleut, oui, on dirait une petite larve. Oui. J'ai l'impression que tu revis tes heures de gloire avant de... Exécrer par le vagin de ta mère. Tu revis ces heures de floraison. De floraison vaginale. Quoi ? Je suis plus comme un papillon. Un papillon qui éclot. Oui. Je suis dans mon cocon. Bien à l'abri, il fait bien chaud. Et je vais devoir me confronter au reste du monde. À la dure réalité. Dans pas longtemps. Dresden, avec son architecture très baroque, est appelée la Venise de l'Elbe. Oh yeah! C'est Lucia Cosina. Et poi, che idea! Elle a été dévastée pendant la Seconde Guerre mondiale, et à l'époque, il semble inimaginable que la ville puisse retrouver sa splendeur d'antan. Cela prendra du temps, mais la ville sera rénovée. Belle ces mots, wunderschön. Oh yeah. C'est du chocolat. Ça n'est plus d'habitude que ce soit aussi chargé. Ouais. Ça fait mal à la rétine. Couleur de... Une glace vanille fraise. Ça me donne envie de manger une glace. Et pas qu'aider. On dirait le jardin du Luxembourg, en plus petit, en plus moche. Quel chauvin. Le soir, dernière soirée, dernier repas, dernière galette de sarrasin. Et puis il raconte une histoire des crêpes. C'est comme les nervures d'un arbre. Je pense que c'est la 403e. Le lendemain, brunch chez notre hôte. Et ensuite, on prend le bus pour 19 heures de trajet. Verschnell. Au programme, petit repas déjà nostalgique allemand. Tu manques qu'on retrouve une hygiène de vie. 2, 3. Ouais, c'est la tienne qui gagne. Petit jeu de cartes tout à fait sympathique. Nos voisins de bus sont ravis. Alors, chocolat, vanille, zéro mentiche. L'Elbe Radweg, comment muscler son vagin. Regardez, des abdos de vagin. Il dit que j'ai des abdos de vagin avec la couche du cuissard. Tout ça j'ai pour le vagin très musclé qui résiste à toute secousse sur une selle. Si un truc qui rentre, elle peut mordre et s'arrache. J'arrive pas à ouvrir. Comme les mâchoires de requin, le vagin de Oud. Quoi que... Allô, je suis cyclothérapeute. Cette thérapie révolutionnaire, tout droit sortie de mon monde imaginaire, vise à arrêter de fumer. Pour ce faire, la Cycle Therapy Into the Wheel a une devise. Pas de bras, pas de tabac. L'enjeu n'est pas sportif, non. Tout type de mollet est capable de participer à la cyclothérapie. Et tout porte-monnaie. Parce que malgré tout, il y avait quelque chose à retenir de tout ça. Geoffrey visionne ma vidéo d'un voyage cycliste en Italie avec mon amie Sophie. Et à la fin du film, il m'envoie un message, il veut lui aussi participer aux joies du pédalage. Sceptique, je lui rappelle qu'il est aussi sportif qu'une morue séchant au soleil.
Mais il insiste. Et en fait, il a raison. L'an dernier, j'ai fait cette vidéo pour montrer que le cyclotourisme n'est pas une compétition sportive, ni un voyage subi et ennuyeux. En fait, il ne faut pas résumer ça au vélo. Pour ma part, je déconnecte en rencontrant du peuple. Et le voyage nomade d'une porte à l'autre, en vélo, ça a son charme. Donc, pas d'alone-thérapie. Bref, une fois de plus, j'invite tout type de cuissot et de porte-monnaie à me rejoindre sur les bords d'une piste cyclable. Allez, tchussi.